In Bali, daily offerings are an integral part of the vibrant Balinese culture and religious practices. These offerings, known as kanangsari, are meticulously crafted small baskets made from palm leaves filled with colorful flowers, rice, and incense. They are placed in homes, temples, and even on the streets as offerings to deities and spirits, symbolizing gratitude, harmony, and balance in daily life. In Bali, various deities and spirits are offered, depending on individuals and communities' specific beliefs and practices. The offerings are often presented to the gods of Hinduism, such as Brahma, Vishnu, and Shiva, as well as various local deities and ancestors. Balinese people also offer prayers and offerings to the spirits that inhabit their homes, fields, and natural surroundings, seeking their blessings and protection. In Balinese culture, there is a belief in duality and the balance between positive and negative forces. This concept is known as RWABhineda or Two-ness in Balinese philosophy. It emphasizes the coexistence and interdependence of opposing forces, such as light and dark, good and evil, and harmony and chaos. The daily offerings and religious rituals performed in Bali aim to maintain this delicate balance and ensure harmony between these dualistic aspects of existence. I want to know, how do you think the duality, which is the two-ness in Bali culture? In this video, Ganyar, a Balinese lady, speaks perfectly French. She shows us how to use fresh banana leaves and young coconut trees to make offering baskets and use flowers to decorate it. Her gesture is just like a poetry. She speaks French. You can find English subtitle. Take it as a meditation for you. Enjoy. This is the temple inside of Ganyar house. In Bali, every family has temple. Temple belongs to the family. She doesn't know who built it. It just generation after generation. They live here. Normally we cannot enter into this temple. Let's take a look, if we can take a look at the garden. Ça c'est mon guide. Ah ok. Ah, ah oui. Ok. Un carré? Oui. Un crochet? Je fais le carré. Tu fais ça tous les jours? Oui. Oui? Oui, tous les jours. Mais ma belle-mère, elle aime beaucoup faire les stockés. Mais avec la feuille de cocotier, plus foncé, plus vieille que ça. D'accord. C'est quand là, je garde pas longtemps. Un ou deux jours, okay. Il est fané, mais avec la feuille de cocotier plus foncée, c'est plus solide. Même si il est marron, il n'est pas censé de les formes. Vous êtes pour faire le fond. Et tout ça, tu l'apprends dès que tu es jeune? Oui, à partir de 10 ans, petit à petit, commencer, mais pas coupon. Ouais. C'est faire attention. Oui. Pour les enfants, c'est un peu difficile. On a des trous, et comme ça, on a besoin de feuilles de bananier. On n'a pas laissé, on va attasser. Pour attacher, pas comme ça, c'est pas la même de tisse de feuille de bananier. Ah, il est cassé, c'est mieux par là. Ah, comme ça. Et haut et en dessous, c'est pas la peine. Ah, qu'à ouais. Gauche et à droite. Mm-hmm. Et maintenant, d'autres formes, on n'a pas besoin de feuille de bananier. Il dort.
tourner à gauche. Pas avec lui, on laisse lui. Il dort avec son voisin. Il dort tourner à droite. C'est possible avec là, c'est possible, mais plus long. C'est mieux. C'est plus rapide. C'est plus vite. Ça fait des cœurs. Oui. Il dort avec son voisin. Oui. C'est joli. Il dort avec son voisin. Il est content, il dort avec son voisin. C'est comme une fleur lotus, non? Oui, comme les uniformes, c'est possible aussi. Mais Carpouche, pourquoi il est là? T'as fait une faute? Oui. C'est non. Non. À cause de lui, c'est oui, pas c'est bien en qualité. Ah oui, c'est la bah oui. Et maintenant, d'autres formes. Le triomphe. Il y a deux tiges au milieu. C'est pour moi, c'est quand j'étais petite, plus difficile, c'est cette forme. Uh-huh. Mais ça, c'est facile parce que j'ai déjà coupé. Mais là, ça, pas coupé, c'est nous qui faisons les formes. On coupe, tourne. Oh. Et deuxième. Oui. Ok. Et troisième. Le triangle. C'est difficile. Alors, on a trois des formes. Le triangle symbolise de les garçons. Le carré symbolise de filles. Les ronds symbolisent de monde. De monde, c'est les planètes. C'est pour tous les jours, tous les matins. C'est nous qui choisissons laquelle n'importe. C'est nous qui décidons laquelle plus facile pour nous. C'est là qu'on fait. Parce qu'on a fait la cérémonie des offrandes, ça nous fait plaisir. Il n'y a pas de... Il faut lundi, carré, mardi, triomphe, non. C'est pour tous les jours, tous les matins, ça suffit comme ça. On dit là et là et là, Chanan Sari. Chanan Sari. Et ça, c'est pas la même chose. Soleil qui s'élève. Oh. Demain matin, soleil qui s'élève. Oh. Ah, comme super. Ça. C'est ça, c'est très beau, ouais, ça. Très joli. Magnifique. Magnifique. Et tu revois encore tes parents? Oui, ça c'est magnifique. C'est plus minutieux que ce qu'on a fait. Couleur, ça n'a pas de signification. Ah, si. Oui, parce que quand il y a des cérémonies particulières dans les hauts temples familiales, dans les grands hauts temples du village, on a besoin de quatre couleurs. Et maintenant, c'est vous. Vous ne connaissez pas quel des offrandes pour les dieux, quel des offrandes pour les démons. Non. Vous ne connaissez pas. Mais moi, je connais. Mais après, c'est comme vous qui l'a fait. Je ne connais pas. C'est les personnes qui l'ont fait qui connaissent. Ben là, il met l'intention. Oui, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Et beaucoup de touristes aussi qui demandaient, Gagnard, tu fais combien de offrandes par jour? Je fais 26. 26. Pourquoi 26? Mais ma belle-sœur, il a fait 50. Ah. Et l'autre sœur dernière, il a fait 170. Pourquoi différent? Pourquoi vous avez beaucoup? Vous avez beaucoup de dieux? Non. Nous, à Bali, c'est hindouiste. Notre religion hindouiste. On a un dieu. Un seul. Ah. Un seul. Yes. Il s'appelle Ida Samyang Widi. Mais beaucoup de manifestations. C'est comme Brahma, Vishnu, Shiva, la Desjuri, la Desconnaissance, plein de manifestations. C'est la position de Dieu. Par exemple, c'est quand vous venez à Bali, on dit vous êtes touriste. Mm-hmm. Vous voulez
Et après, c'est quand vous rentrez en France, vous êtes travaillé dans l'hôpital, vous êtes docteur, et rentrez dans votre maison, vous êtes les pharaons. Une personne, c'est le touriste, c'est vous, le docteur, c'est vous, et la maman, c'est vous. Oui, et plein de rôles. Oui, des rôles différents. Oui. Mm-hmm. Une personne, mais beaucoup de positions. Et c'est la même chose aussi que notre Dieu, un Dieu. Mais plusieurs positions du Dieu. Okay. Et comme ça, on a fait des offrandes pour dire remercier, peut-être aussi, pas peut-être, on met aussi sur le scooter, sur les voitures. Mm-hmm. Aussi, nous mettons pour dire remercier, et en plus, on a demandé pour que bien passer. Du coup, tu remercies, parce que, par exemple, la bienveillance de la journée, grâce à, par exemple, au scooter, ta pluie est là, donc tu vas remercier. Oui, et comme ça. Quand, par exemple, aujourd'hui, je fais le travail, bon travail, bien tout bien passé, demain, j'ai acheté quelque chose, le repas, quelque chose, on met dans les offrandes pour dire remercier. Oui. Mais là, peut-être les gâteaux, les fruits, ça, on n'a pas jeté. Après, nous mangeons pour nous. Mais quand du riz dans les petits carrés, tout à l'heure, j'ai montré, on est laissé. C'est pour l'animal. Qui sait, demain, vous avez des programmes pour visiter dans les temples. Vous pouvez apporter votre désoffrande. Ah bon? Même si vous ne savez pas vraiment croyant avec notre religion, oui. C'est pas important, c'est pas obligatoire pour nous, Balinais. Ouais. C'est obligatoire, c'est important pour nous, les Balinais. Les touristes qui viennent à Bali, juste pour respecter. Et on peut le laisser, même si on ne va pas dans un temple. C'est après, tu as de l'hôtel. Peut-être à côté de ton hôtel, il y a de petits hôtels. Oui. Tu peux déposer. Okay. Et après, tu peux déposer ton désoffrande. L'hôtel, en face, tu prends la fleur comme tu veux. Comme tu fais les prières. Oui. Tu peux demander plein de choses. Plein de choses. Et ça, cette fleur, et nous, on n'a pas jeté. Nous mettons l'oreille. Sinon, c'est comme nous, on est fille, on a des cheveux longs attachés derrière. C'est possible aussi. C'est quand vous avez des taxis, des chauffeurs, il a mis des fleurs sur les oreilles. C'est-à-dire qu'il a fait les petites cérémonies avant de travailler, avant de sortir de la maison. D'accord. Tu peux faire. Maintenant, c'est difficile pour toi pour ramer comme ça. Et maintenant, je vais emballer avec la feuille d'eau. Bananier. Oh non. Pour protéger. Parce que après, c'est quand je laisse comme ça, après il est fané. Oui, c'est vrai. Je voulais même pas tes cadeaux. Ah ouais, hein. Au moins ça pollue pas. Voilà. Magnifique. Sama. C'est comme Yves, il a fait hier purification à Tirtanpul. Oui. C'est bon sur les Facebook. Non, pas Tirtanpul, Pura Mengening. Avec un brahman. Oui, Mengening. C'est pas beaucoup de monde là-bas. Non. Oui. Choisi exprès. Avant de faire les purifications sur de l'eau, vous pouvez mettre des offrandes en face et de maudit. Et pour les purifications, bien. Et après, la tête, ouais, le ouais. corps. Là.
Merci. Avec plaisir.